Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. En ce moment, j'estime avoir mon meilleur physique. Le physique où je me sens bien, où je me sens plein, je me sens rempli, je suis fort, j'ai pas trop de fatigue, je me blesse pas et à la salle, tout se passe bien. Là, je suis vraiment à mon plein potentiel pour moi. Il faut que je t'en parle parce que c'est important, parce que je vais changer mon physique, avoir un physique beaucoup plus fonctionnel. Un peu moins balèze, mais beaucoup plus fonctionnel. Et aussi, c'est un état d'esprit que beaucoup de pratiquants de musculation passent par là. Tu vois? Et ça, c'est important d'en parler parce que tu peux être pareil, tu peux être comme moi, tu peux avoir le même ressenti et c'est normal. Les prises de masse, pour moi, c'est les meilleures périodes en musculation. Parce que c'est des moments où tu manges, tu te mets bien, tu peux ne pas trop faire attention à ce que tu manges, même si qu'il faut contrôler au maximum ce que tu manges. Pour faire une prise de masse propre, mais c'est là où tu es bien, tu manges bien, tu vas à la salle, tu as de la force, tu es content, tu as de l'énergie, et ça, c'est incroyable parce que tu progresses très vite comme ça et tu es content. Ça, c'est important. En fait, c'est un sentiment un peu dur à expliquer. C'est un sentiment où quand tu vas à la salle, tu sais que tu vas avoir la force, tu sais que tu vas valider ta séance, même si tu as toujours cette flemme ou les courbatures qui vont te dire de te reposer un peu, mais voilà, quand tu vas être dans ta séance, tu vas être bien, tu vas bien te sentir. Même niveau hormonal et tout, tu seras bien. Tu auras l'énergie nécessaire pour tout casser dans ta séance. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que les power y ressentent, parce que pour la plupart des power que je connais, qui font pas de diète, ils mangent ce qu'ils veulent, ils vont à la salle, ils ont la force, ils sont bien. Donc, je pense que c'est pour ça que le power grandit et marche très très bien. Parce que le power, on ne te demande pas d'être esthétique. On ne te demande pas de faire des sacrifices au niveau de la bouffe. Enfin, je pense, tu vois. Enfin, pour les gens que je connais, en tout cas, c'est ça. Ils se mettent bien. Et pour moi, prise de masse, ben, je suis dans ce mood-là où je suis bien. Et c'est un état d'esprit où quand tu t'entraînes, tu te sens tellement bien que c'est là où tu commences à prendre goût, pour ma part, à la musculation, à la force, à tout. Parce que même visuellement, bah, tu es beaucoup plus rempli. C'est là où les gens voient que tu t'entraînes, clairement. Et d'autant plus avec la prise de compléments alimentaires qui change tout pour la prise de masse. Là, je vais te parler, pour ma part, des compléments alimentaires les plus essentiels pour la prise de masse. Je vais parler de la créatine, l'ashwagandha. Et les EA, pour moi, c'est les trois compléments alimentaires essentiels pour faire une prise de masse de fou. On va pas parler de whey, on va pas parler de... Non. Ces trois compléments-là, essentiels. Je peux mettre le pré-workout, mais bon, tu te sens tellement bien en vrai que si tu prends un pré-workout, c'est par gourmandise. C'est pour aimer tout casser en étant bien. Alors, créatine, gain de force. Gain de force avec la créatine. Tu te sens mieux, tu te sens beaucoup plus fort, tu lèves lourd, casser plus de fibres musculaires, tu seras plein, tu seras un peu plus rond. Ça, c'est important. Ashwagandha, ça va te monter ton taux de testo au max naturellement. Ça, c'est bien. Et le combo créatine-ashwagandha que j'ai pu bien tester le mois dernier, c'était incroyable. C'était incroyable. Tu te sens bien nerveux avec ta testo. En plus de ça, tu as la créatine qui agit. C'est vraiment un combo incroyable pour la prise de masse. Et les EA pour ta séance, tu ressens moins la fatigue. Ta séance, cela dure plus longtemps. Tes performances sont meilleures. C'est trop. EA, ashwagandha, créatine. En fait, tu vois, ça, c'est un pack. C'est un pack qui est vraiment chaud. Tu vois, il faut le faire. Si par exemple tu fais une prise de masse et tout, tu sais pas quoi prendre. C'est compliqué, tu vois, on parle de whey, on parle de gainer et tout. Prends ces trois compléments-là, si tu manges bien, c'est plié. Ta prise de masse, elle est pliée, clairement. Et bien entendu, ces compléments alimentaires-là, tu peux les trouver sur MyProtein. Tu vas sur mon lien, tu mets le code DAMS. Parce que c'est important, les gars. Il faut soutenir, ok? Il faut soutenir. Mais plus sérieusement, pour revenir sur les compléments alimentaires. Pour moi, ça m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé. Et là, c'est la première fois, entre guillemets, que j'arrive à
tenir aussi longtemps une prise de complément alimentaire, surtout au niveau de créatine, EAA et ashwagandha. Ashwagandha, c'est la première fois que je prenais, mais la créatine, non. Mais la créatine, je les prends en tablette, tu vois. C'est comme des petits bonbons, tu prends, tu manges, et voilà. Ça, c'est mieux, parce que tous les soirs, c'était le petit rituel. Je prends un petit bonbon et je suis bien. Tu vois, parce que la créatine en poudre, c'est compliqué. C'est compliqué. À chaque fois, j'oubliais, je prenais une fois sur deux, j'avais pas envie de la boire. Ou alors, tu fais une séance où tu bois beaucoup d'eau. Après, tu as envie de boire de la créatine. Mais vas-y, t'es déjà plein d'eau, tu n'as plus envie de boire, c'est très compliqué. Et moi, j'ai du mal à être assidu avec les compléments alimentaires en poudre. J'ai vraiment du mal. Les EAA, j'ai réussi, et après j'ai craqué, j'ai acheté les EAA en gélule. Mais le problème, c'est que je sais pas si j'ai mes EAA en gélule là, ils sont dans mon sac, ils sont loin. Les gélules des EAA, ils sont grosses. Ils sont vraiment grosses. Et lourde, ça veut dire que quand tu prends pour boire avec de l'eau, déjà le truc qui reste bloqué sur ta langue, et pour l'avaler, c'est compliqué parce que ça tape dans ta gorge, tu vois. Et ça, c'est très dérangeant. Ça veut dire que les compléments que j'ai en gélule de EAA, comme c'est des compléments en mode en tablette, tu vois, bien dur, je les prends, soit je les casse en deux et je les avale, soit je les croque. Je les croque comme des bonbons, après je prends de l'eau. Mais au niveau du goût, c'est très compliqué. D'accord? C'est très compliqué. Mais voilà, prendre des EAA en poudre pendant ta séance, c'est compliqué. En fait, le fait de ne pas boire de l'eau et boire un truc de très sucré ou d'un peu pâteux pendant la séance, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Il n'y a que la Clearway que j'arrive. Là, je ne fais pas de pub, pas de placement et tout. Clearway, il y a plusieurs marques qui en font. Dans mes protéines et tout. Mais il n'y a que la Clearway que je peux boire pendant ma séance. Tout le reste, c'est compliqué. Je vais juste revenir sur l'ashwagandha parce qu'il y a plein de personnes qui le décrivent comme le complément révolutionnaire, les Américains qui disent que c'est le nouveau anabolisant naturel et tout. Oui et non, d'accord? Parce que l'ashwagandha, ça monte ton taux de testo au max, naturellement. Et on n'est pas tous pareils. Moi, je suis une personne qui produit beaucoup de base. D'accord, je suis une personne qui s'est mis tôt dans le sport, qui a une bonne maturité musculaire là, donc quand je prends, ça marche bien. Pour d'autres personnes, c'est un peu plus compliqué, tu vois. On n'est pas tous pareils, on est tous différents. Et pour ceux qui sont très jeunes, je dirais, vas-y, 19, 20 ans, 18 ans, bah là, niveau hormones, là, t'es quasiment au max tous les jours, tu vois. Même moi, 26 ans, tu vois, normalement, je suis bien. Même si j'ai des descentes avec le travail et le manque de sommeil, tu vois. Mais normalement, pour un plus jeune, il n'y a pas de souci. L'ashwagandha, pour moi, c'est intéressant de prendre quand tu commences à bosser, même si tu es jeune, ou alors quand tu commences à avoir la trentaine, 35 et tout. Là, faut en prendre. Parce que niveau hormonal, ben, ça diminue et ça va grandement t'aider, tu vois. Mais ça va te monter ton taux au max naturel. À toi, d'accord, c'est pas ça va dépasser et t'auras une testo d'un mec de Simone Panda, tu vois. Non, ça faut bien le prendre en compte. Tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui m'envoient des messages en me disant que ouais, la shwagandha il ressent pas les effets immédiats, il ressent pas d'effet, l'impression que ça marche pas. Ils se disent est-ce que mon corps a un problème ou pas. La shwagandha c'est comme la créatine, ça n'a pas un effet immédiat. Pour moi, faut attendre 1 à 2 semaines. J'ai envie de te dire 2 semaines pour la créatine et 1 semaine pour l'ashwagandha. C'est là où tu ressentiras vraiment les effets. Et les effets, tu vas pas les ressentir comme un booster, dans le sens où, tu vois, quand tu prends un booster après workout, tu sens les effets directement ou 10 minutes, 20 minutes après. Tu vois, l'ashwagandha et la créatine, tu vas sentir avec le temps que dans ton corps, ça bouge, ça avance, tu te sens mieux, tu te sens moins fatigué et tu te sens en forme. Et j'ai même envie de te dire que pour les EAA, c'est pareil. Et regarde, pour prendre mon exemple, quand j'ai commencé la créatine, en un mois, je suis passé de 50 à 60 kilos au développé incliné haltère. J'ai eu un gros gain de puissance grâce à ça. Après, j'étais déjà bien entraîné de base, je m'entraînais bien au niveau des mouvements et tout. Mais pour moi, c'était le step que j'ai réussi à passer très facilement grâce à la créatine.
Et ça, c'est important, il faut le mettre dans sa tête que voilà, c'est pas tout de suite. C'est parce que tu prends de la créatine que demain, c'est bon, tu as tout soulevé. Non, c'est sur le long terme. C'est pour ça que c'est des compléments où il faut être régulier. Si tu oublies d'en prendre par-ci, il y a un jour tu oublies, il y a 2 jours tu oublies, ça va être très compliqué. Pour avoir une bonne analyse de ça et un beau suivi, il faut le prendre tous les jours, à chaque fois. Ashwagandha, tous les jours, même les jours où tu travailles pas, tu vas pas à la salle. La créatine, pareil. Et les EAA, uniquement pendant ta séance ou avant ta séance. On va passer au troisième point de cette vidéo. Pourquoi en sèche, c'est plus dur? Parce que oui, là, en prise de masse, on est content et tout. En sèche, c'est beaucoup plus dur. En sèche ou en maintien. Parce que t'as moins de force, tu vois. Pour parler de la sèche, t'as moins de force, t'as moins d'énergie. T'es fatigué. Tu vas à la salle, c'est compliqué. Là, t'auras besoin d'un booster, d'un pré-workout. Tes séances, c'est pas les mêmes sensations. Toutes les charges que tu avais l'habitude de porter en prise de masse, eh ben c'est beaucoup plus bas en sèche. Tes charges, elles diminuent. Il y a des charges que tu fais aisément qui te font mal en sèche. Et ça génère un gros bloc de frustration pour ma part. Tu vois, par exemple, au tirage vertical à la poulie, je mets plus de 100 kilos en prise de masse là. Et en sèche, ben, je mets 60. Je mets 50. Et ça, c'est très très dur. C'est vraiment très très dur. Quand tu sais que de base, tu casses la machine en 8, et là, tu vois que c'est compliqué, c'est dur. Moralement, c'est dur. Tu vois? Et pour toutes les machines, tu vois, t'as un manque de puissance et c'est compliqué. Parce que soulever lourd, si tu veux, c'est une satisfaction en musculation. Quand tu rentres la première fois dans une salle et que tu fais une machine, eh ben, tu te dis, un jour, quand je serai plus fort, je vais tout soulever. Ou alors, je vais soulever une vraie charge. Ou quand tu fais du DC couché haltère, tu dis, les 30 kilos, j'ai envie de les soulever. Les 40, tu vas les serrer avec. Les 50, faut que je les soulève. Les 60 aussi. Voilà, en fait, tu te donnes des paliers et des objectifs. Et quand ton objectif, tu as joué avec pendant longtemps et que tu vois qu'en sèche, ton objectif, il est inatteignable. Tu es obligé de revenir dans des charges où tu t'échauffais avant avec. C'est compliqué. C'est compliqué et c'est dur. Tu as aussi le risque de blessure qui est beaucoup plus élevé. Parce que tes muscles, ils sont moins forts, tu vois. Tu veux retenter à soulever lourd et tu peux te blesser. Et j'ai l'impression qu'on est un peu plus fragile en sèche ou en maintien qu'en prise de masse. En prise de masse, j'ai l'impression que rien peut t'arriver. Là, tu vois, là, je suis bien. J'ai l'impression que je suis invincible. On va pas se mentir. J'ai l'impression que je suis invincible. Je suis dans la salle. Je sais que je vais pas me blesser. Je sais que je peux tenter des perfs. Je sais que je peux tenter des PR. Je sais que je peux mettre plus lourd là où normalement je mets pas très lourd. Je sais que je peux essayer des trucs. En sèche ou en maintien, c'est plus compliqué. J'ai une limite. Je me dis, ah non, là, je sens que je vais me faire mal. Et j'ai moins le goût du risque aussi. Et ça, c'est problématique. Mais c'est bien aussi, c'est une sécurité. Et aussi, il y a une question que tu peux te poser, c'est... Ouais, c'est bizarre qu'avec un ventre rond, des épaules et des bras et un peu de pec, tu te sens bien, sachant que tu n'as pas un physique esthétiquement parfait. Et c'est vrai. Là, je me sens bien, j'ai mon meilleur physique. Mais esthétiquement, je suis pas parfait. Et si demain, je fais une sèche et j'ai des abdos, je vais pas m'aimer. Pour la simple et bonne raison que j'aurai juste des abdos. Naturellement, il est très compliqué pour une personne d'avoir bras, épaules, pec, abdos. Bien, bien voyant. Tu vois, moi, mon physique, c'est impossible que je garde tous les muscles que j'ai en haut du corps avec des abdos. C'est pas possible. Si je fais une sèche, je vais devoir renoncer à la carrure carrée que j'ai. Je vais garder un peu de forme, un peu de physique, tu vois, mais je vais devoir renoncer à ça et je le sais, je suis au courant. Et ça, c'est important. Faut pas se dire oui, non, si tu fais ci, si tu fais ça bien, ou alors une prise de masse contrôlée, non. Il faut se rendre à l'évidence. Il faut vraiment se rendre à l'évidence. Tu vas pas garder une masse musculaire imposante avec des abdos en étant naturel. Ça, c'est important pour moi de te le faire partager. Même si je prends tous les compléments alimentaires nécessaires, c'est mort. Si demain,
Je fais une sèche. Énervé, extrême. J'ai un six-pack avec des veines dessus. J'aurais beau prendre de l'ashwagandha, de la créatine et tout ça, pousser lourd, crier et tout, c'est mort. J'aurais un choix à faire. Les abdos ou le physique carré. J'aurais un choix à faire. Je peux avoir un mélange des deux, mais le mélange des deux ne va pas me convenir. Pour la simple et bonne raison que je me vois comme ça. Tu vois, à partir du moment où tu te vois carré, tu te vois comme ça, revenir en arrière, c'est dur. Même si tu reviens en arrière avec les abdos, tu reviens, tu redescends quand même. Tu seras moins puissant, tu redescends et ça, c'est très très dur à vivre, vraiment. Mais dans mon cas, dans le cas où j'ai besoin d'un physique fonctionnel pour faire d'autres projets dans le sport, ça va. Je me suis vu comme ça, c'est bien. Maintenant, il faut changer. Maintenant, il faut utiliser son corps à bon escient et faire les choses bien. Donc, c'est sûr que ça va me faire un peu mal, mais ça va. D'accord, on va continuer à faire les choses bien. Essaye de garder les bras, parce que les bras, c'est vraiment le point dont je suis le plus fier et c'est mon point fort. Donc, on va les garder au maximum parce que c'est important. Bon, maintenant, comment trouver son objectif? Parce que c'est important, là, je te parle de moi. Je te dis que, ouais, là, j'ai mon meilleur physique, là, j'ai mon meilleur corps et tout, mais toi, comment trouver ton physique idéal? Parce que c'est dur, c'est très dur. On se voit jamais quand on est bien. C'est-à-dire que moi, là, je mets torse nu, je me vois, je vais te dire, ah, là, je suis pas très bien, je suis pas congestionné et tout, mais j'ai mon meilleur physique, je le sais. Il faut que tu te filmes. Tu te photographies régulièrement. C'est là où tu vois, là où t'es bien, là où t'es pas bien. Je donne un exemple. Là, tu fais du sport depuis un certain nombre de temps. Prends-toi en photo maintenant. Arrête le sport pendant 2-3 semaines. Revois tes photos quand tu faisais du sport et tu te dis, ouais, mais j'étais bien là. Là, j'étais balèze, je me sentais bien. Tu diras ça H24. Tu te diras pourquoi j'ai pas profité. C'est comme pour ceux qui ont fait une sèche avec des abdos. Beaucoup regrettent de ne pas avoir profité de ce physique-là ou d'avoir creusé un peu plus dans ce physique-là ou d'avoir fait plus de photos dans ce physique-là ou alors d'avoir trouvé des conquêtes amoureuses avec ce physique-là. Beaucoup de personnes regrettent, tu vois, de ne pas avoir assez profité. Ça, c'est parce qu'on ne sait pas, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a quand on fait une transformation musculaire. On ne se rend pas compte. Il faut se rendre compte. Ça, c'est grâce aux photos, c'est grâce aux vidéos, c'est grâce à tout ça que tu vas t'en rendre compte. C'est important. Après, je te parle pas de photos pour poster sur les réseaux. Non, c'est juste une photo carnet de bord. Une photo, tu dis, voilà, là, je suis à là. Pas des photos tous les jours, mais quand tu as une bonne congestion ou voilà, au moins une fois par semaine, tu fais une petite photo. Tu vois où t'en es. C'est important. C'est là où tu vas te juger objectivement. C'est, tu vois, pour moi, il y a deux jugements. Il y a le jugement où les autres ils disent t'es balèze. Et là, tu dis, ouais, non, c'est toi qui es balèze et tout. Les trucs interminables, t'as ça. Et t'as le jugement qui est sincère et réel, où tu te mets tout nu devant la glace. Tu vois, vraiment, tu retires tout. Tu retires tout. Tu te regardes, tu dis, bon, là, je suis comment? Est-ce que je me sens bien? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est pas bien? Ça, c'est important de faire ce jugement-là. Et ne demande à personne d'autre de le faire parce que c'est toi le plus important. Quand tu vas savoir ce que toi tu veux, ce que toi t'aimes et où tu veux aller, c'est là où tu vas commencer à avancer. Si tu commences à dire aux autres, est-ce que tu me trouves bien? Est-ce que je suis bien? Est-ce que nanani? Est-ce que ça? C'est compliqué. Tu peux demander parce qu'il y a plein de personnes, tu vois, des vidéos, des photos d'eux, ouais, j'ai quoi améliorer et tout. C'est bien, mais d'abord trouve-toi ton objectif. Un exemple, quelqu'un veut des bras comme moi. Il veut avoir des gros bras et tout. Il aime bien son physique, il aime bien son corps. Il m'envoie un message. Voilà, j'aime bien mon physique et tout, mais j'aimerais avoir plus de bras. Comment on fait? Là, je serais content de te répondre et je vais te répondre correctement et ouvertement. Mais une personne qui m'envoie son physique, oui, comment tu me trouves? Je me trouve pas très bien et tout. C'est compliqué. C'est compliqué. Je peux rien faire. Je peux rien dire. C'est dur, les gars. Donc, c'est important. Trouve-toi un bon objectif. OK? Et là, tu vas avancer. Là, tu feras les choses bien. En tout cas, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Moi, là, je suis en plein changement physique parce que mes entraînements changent maintenant.
Comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, là je commence à faire un peu de cardio, je commence à faire des escaliers et tout. Je perds un peu de poids, après je recommence à courir et ça va bien se passer. En tout cas, si t'as kiffé, mets un petit j'aime, un petit commentaire, c'est important, c'est récompense. Abonne-toi à la chaîne YouTube. Fais ta commande avec le code DAMS pour récupérer de l'ashwagandha parce que ça part vite. Et puis moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.